Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Yoga Fire. Je suis Jo, je suis votre professeur ici. Je vais vous proposer pendant les séances des prochaines semaines une série de vidéos sur les salutations au soleil. Pendant les vidéos des prochaines semaines, on va tâcher d'approfondir chaque posture qui compose les salutations au soleil et toutes ses variations. Donc on va commencer par se pencher sur la posture de la montagne, puis la posture de la pince debout, puis la planche, etc. etc. Vous allez voir qu'on va travailler plusieurs variations pour plusieurs niveaux et vous allez pouvoir, le jour où on atteindra la fin de cette série et où on fera vraiment les salutations au soleil, vous pourrez vous amuser à composer avec ce qu'on aura appris, faire votre propre version. Donc aujourd'hui, une vidéo sur la posture de la montagne qu'on peut faire dans la série mais qu'on peut aussi faire à part, le matin par exemple, ou quand on a envie de se sentir plus ancré dans le moment présent. Donc, les deux pieds bien dans le sol, réfléchir, respirer calmement. Donc voilà, je vous propose de me rejoindre sur le tapis dans deux petites secondes. À tout de suite. Donc aujourd'hui, on va commencer debout. On va placer les pieds bien sous les hanches, bien à plat. On va commencer par se tenir droit. Fermez les yeux. Laissez retomber les bras. On va prendre une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. Et puis on va baisser la tête et regarder ses pieds. Et on va essayer de prendre conscience de toute la surface du pied, bien à plat sur le sol. Et on va essayer d'écarter les orteils, comme on écarterait les doigts, pour répartir son poids sur toute la surface du pied. Donc au début, c'est pas très facile, hein. On a les orteils qui ont l'habitude d'être serrés dans les chaussures, etc. Mais au fur et à mesure, on sent qu'on peut les écarter un petit peu, les étaler, et continuer, continuer. Ici, on va bien pencher le menton vers le sternum, toujours regarder ses pieds. Et encore une fois, faire une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. Laissez les épaules retomber, les mains sont lourdes, la tête est lourde. On rentre légèrement le nombril vers la colonne vertébrale. Et le bassin pousse un petit peu vers l'avant. On respire tranquillement. Et puis, on va commencer à rentrer le menton, dérouler le dos. Les épaules roulent en arrière, les omoplates se collent, la tête se dresse. Et on ouvre les bras, les doigts. Et nous voilà en posture de la montagne. On va prendre deux petites secondes, à nouveau les yeux fermés, pour voir comment on se sent au début de cette séance. Relâchez les muscles du visage, la mâchoire. Laissez derrière vous la journée qui vient de s'écouler. Sentez-vous bien ancré dans le sol et à la fois très étiré vers le plafond. Puis on va rouvrir les yeux et doucement pencher vers l'avant. Donc attention, pas trop, on va essayer de ne pas tomber, de ne pas trébucher. On va juste garder le corps bien droit et pencher vers l'avant. Puis vers la gauche. Puis vers l'arrière et enfin la droite. Si vous trébuchez, si vous partez un petit peu trop, rattrapez-vous et revenez tranquille au centre. Cette fois-ci, on va le refaire, mais en serrant les deux pieds. Si vous ne le sentez pas, vous pouvez garder les pieds écartés. On va augmenter la difficulté un petit peu. On inspire, on se grandit bien et on penche vers l'avant en expirant. Puis vers la gauche, puis à l'arrière, et à droite. On va le faire une dernière fois, les deux pieds bien collés, le corps bien droit, et cette fois-ci on va essayer de fermer les yeux. Grande inspiration, expirez, penchez vers l'avant,
pas trop pour pas laisser le poids du corps partir. Puis vers la gauche. Puis vers l'arrière. On peut décoller les orteils. Et enfin la droite. Wouh! Et voilà, dès qu'on ferme les yeux, c'est Luna Park. On reprend sa stabilité, ses appuis. On se grandit. Tranquillement, on va faire quelques cercles avec la tête. Tout doucement, pour défaire les tensions du cou. En inspirant, on part vers l'arrière. En expirant, vers l'avant. Ainsi de suite, des cercles de plus en plus grands. Tout doucement. Jusqu'à aller bien en arrière pour peut-être travailler sur les petites tensions qui se créent dans la nuit ou pendant la journée quand on est assis à l'ordinateur. Dernier tour dans ce sens. Et on revient au centre, les yeux vers le sol. Et on va partir dans l'autre sens. Inspirez, tournez la tête vers la gauche, puis vers le haut, puis vers la droite. Commencez petit si vous le souhaitez, des tout petits cercles avec la tête. Et puis de plus en plus grand, en se calant bien sur la respiration. Un dernier, profitez-en bien. Et on revient droit, immobile. Puis on va s'occuper des épaules. En inspirant, on va les faire passer vers l'avant. Puis vers le haut, puis vers l'arrière et le bas. Les bras suivent le mouvement sans forcer. Encore une fois, inspirez, montez. Expirez vers l'arrière et le bas. Une dernière fois, on inspire vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière et vers le bas, on expire. Puis l'autre sens, on inspire vers l'arrière cette fois-ci. Et on expire vers l'avant. Encore une fois. Une dernière fois. Profitez-en bien, ralentissez. Super. Vous pouvez réécarter les pieds à nouveau, bien sous les hanches. En inspirant, montez le bras droit, bien vers le plafond. Expirez, descendez un petit peu l'épaule. Inspirez, étirez-vous. Expirez, penchez le buste vers la gauche. Et là, on essaye de sentir l'étirement dans tout le côté droit du corps. Et surtout, faites attention à ne pas mettre de tension dans la nuque. La tête est relâchée. L'oreille se dirige vers le sol sans forcer. L'épaule droite, elle, s'ouvre comme si quelqu'un venait avec un fil tiré sur votre épaule droite pour l'amener vers l'arrière de la pièce. Et à partir de là, il suffit de respirer là où ça tire, dans le creux de la taille, dans tout le côté droit. Vous pouvez fermer les yeux ou fixer un point au loin. Une grande inspiration, étirez les doigts vers la gauche. Et en expirant, remontez et lâchez le bras. Détendez un petit peu. Et on va faire la même chose de l'autre côté. En inspirant, on montre le bras gauche. Et on expire, on descend l'épaule un petit peu pour laisser de l'espace entre l'épaule, le bras, l'oreille. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, penchez vers la droite cette fois-ci. L'oreille droite vers le sol. Le bras peut-être posé délicatement sur la jambe. Ouvrez l'épaule gauche. Et respirez dans le creux de la taille. Et dans tout le côté gauche. Une dernière grande inspiration. Et en expirant, on remonte, en profitant bien. Super, on va continuer. Regardez vos pieds à nouveau. Sentez-vous toujours dans cette séance les deux pieds bien ancrés dans le sol. C'est très important. Et en inspirant, on va légèrement plier les genoux, monter les deux bras cette fois-ci. La posture du volcan, expirez, descendez les épaules. Rentrez un tout petit peu le bassin. Plutôt que d'être ici, on va essayer de ramener un peu le bassin, peut-être plier les genoux un tout petit peu.
et surtout dresser les deux bras et écarter les doigts. Sur une inspiration, on va s'étirer encore un peu plus. Et en expirant, suivez-moi, on va faire une torsion. On va amener les bras parallèles au sol, tourner le buste vers la gauche et la tête vers l'arrière de la pièce. En inspirant, on va repasser en posture du volcan, doucement. Et en expirant, on va partir du côté droit. Encore une fois, inspirez, remontez. Et expirez, partez vers la gauche. Inspirez, remontez. Et on part vers la droite. Sentez bien l'énergie qui part en tous sens. Les deux pieds dans le sol envoient de l'énergie vers le sol. La tête dressée envoie de l'énergie vers le plafond. Et les doigts écartés font partir l'énergie à droite, à gauche. Encore une fois, inspirez, remontez. Expirez, relâchez les bras. Détendez bien les épaules, les bras. Soufflez. On va continuer un petit peu. Commencez par réchauffer un petit peu les poignets en faisant des cercles dans un sens, dans l'autre. Tout simple, rien de compliqué. Et sur une inspiration, on va faire partir les deux mains loin dans le dos. Les doigts vont s'entrelacer. Inspirez, dressez le buste. Et expirez, poussez les mains vers l'arrière et vers le haut à la fois en gardant les coudes un petit peu pliés. Ouvrez bien les épaules, remplissez tout l'avant du buste d'air. Expirez. Les bras sont très actifs. On fait une ou deux respirations encore ici. Détendez toujours le cou, la mâchoire et le visage. Ça permet de calmer le mouvement et l'esprit. Et sur une expiration en contrôlant, on lâche les doigts. Et les bras. Détendez en les secouant un petit peu. Inspirez, ramenez les bras dans le dos. Et cette fois-ci, on va venir attraper soit la main de l'autre côté ou bien les coudes peut-être. Regardez vers vos pieds, baissez le menton vers le sternum. Inspirez, dressez la tête. Ouvrez les épaules. Et restez, vous pouvez fermer les yeux. Quelques instants, sentant vos bras dans le creux des reins. Et voyez comment vous vous sentez maintenant par rapport au début de la séance. Est-ce que les muscles commencent à se réchauffer, à se détendre? Est-ce que l'esprit se calme? Toujours, on se sent ancré dans le sol et dressé vers le plafond à la fois, deux forces complètement opposées. Et puis, on ouvre les yeux, on lâche les bras. Super, prochaine inspiration, montez les deux bras vers le plafond et étirez-vous, posture du volcan. Expirez, descendez les épaules. Rentrez un petit peu le bassin. Et là, sur la prochaine inspiration, on va juste venir décoller les talons. Donc, pas obligé que ce soit très très haut. C'est juste pour faire travailler un petit peu les pieds, les orteils. Donc, on va inspirer, décoller les talons. Expirez, posez. Vous pouvez monter un petit peu plus à chaque fois. Inspirez, décoller. Expirez, posez. Et essayez de contrôler le mouvement. N'allez pas trop vite. Allez-y doucement. Décollez en inspirant et étirez-vous. Et en expirant, on pose. Encore deux comme ça. Inspirez, décollez. Faites ça à votre rythme. Quand on expire, on descend doucement, contrôlant. Une dernière fois. Et on expire, on pose. Super. Toujours ici, les deux bras bien tendus. On va inspirer, se pencher légèrement vers l'arrière. Le dos s'étire d'abord vers le haut, puis penche. Et en expirant, les deux bras partent loin devant, se poser sur le sol. On relâche
la tête, les bras, on plie les jambes. On peut venir faire poser le ventre sur les cuisses. On peut détendre la tête en la secouant légèrement de droite à gauche, de haut en bas. Et puis revenir immobile. On peut aussi tendre les jambes. Le poids du corps sur les orteils. On fait une grande respiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Encore une fois, une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Puis on s'appuie bien sur les pieds. On plie légèrement les genoux, on rentre la tête. Et on va venir dérouler la colonne tout doucement, vraiment très doucement. Si vous pensez que vous allez déjà assez lentement, allez encore plus lentement. Donc rentrez la tête et déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. On finit par rouler les épaules en arrière, ouvrir les bras, dresser la tête. Et on revient en notre posture de la montagne. Et pour finir, on va en faire une version un peu plus dans l'introspection. On va inspirer et en expirant, ramener les deux mains jointes devant la poitrine. Anjali Mudra, le sceau de la salutation. Donc on vient poser les pouces sur le sternum. On a toujours les pieds bien sous les hanches, toute l'énergie qui remonte depuis les pieds jusqu'au sommet du crâne. D'abord, on se grandit, on rentre le bassin, le nombril vers la colonne vertébrale. On roule bien les épaules en arrière, les omoplates se collent, les coudes contre les côtes. Et puis on va fermer les yeux et doucement baisser le menton vers le sternum. Ici, c'est le bon moment pour prendre une intention. Si vous faites cette pratique le matin pour votre journée ou pour votre semaine. Faire comme un pacte avec soi-même. Décider de révéler ce qui est bon en nous, le meilleur en nous-mêmes. Prendre quelques secondes pour fixer le point entre les deux sourcils. Détendre tous les muscles du visage. Rester un peu immobile. À contempler cette intention, à s'en imprégner. Toujours à ralentir la respiration. Et pour finir, on va toujours garder les mains bien jointes, les pulpes des doigts bien appuyées l'une sur l'autre, sans que l'une des deux mains prenne le pas sur l'autre. Et on va venir poser les bords des pouces sur le front. Les coudes se rejoignent peut-être. Les deux pouces appuient sur ce point entre les deux sourcils, le chakra du troisième œil. Et en vous concentrant sur ce point particulier, considérez que votre intention est acquise, qu'elle vous appartient, qu'elle fait partie de vous. Vous allez tout faire pour la mettre en œuvre. Une grande inspiration. Une grande expiration. Doucement lâchez les bras. Revenez en posture de la montagne classique. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez doucement battre des paupières pour ouvrir les yeux.
J'espère que cette petite séance vous a plu, que vous passerez une bonne journée, une bonne semaine. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous. À bientôt.